Salut les potos, salut salut, j'espère que vous allez tous très bien. Moi je suis content de vous retrouver après quelques jours hein, de farming hein, qui n'a pas été disponible sur la chaîne. J'ai autre chose à faire. Hein. Bon, on revient tranquillement, le planning a été fait pour la Coupe du Monde, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, donc on est là et eh bien j'espère que vous allez tous très bien. Je remercie hein, les personnes qui se sont abonnées à la chaîne, les personnes qui viennent sur les lives, tous les machins. Donc on est là, on va faire un petit peu de farming, tranquille. Alors, il faut savoir que le pack EMX, il est sorti, les potos. Il est sorti. Hop là, ouais, je sais, j'aurais dû prendre un casque, mais bon, c'est pas grave. Le pack EMX, il est sorti. Hein, donc, allez sur allez le télécharger hein, tout simplement. Allez le télécharger. Nous, on va aller faire de l'épandage de fumier. L'épandage de fumier. Donc il y a beaucoup de travail. Beaucoup de travail. On va mettre ça ici. Ça va pas gêner. Voilà. Hop. Et on va aller chercher ça tranquillement. Hop, donc c'est vrai que ça fait un petit bout de temps déjà que j'ai pas fait de vidéo sur farming. Hop, allez, on est là tranquille. On a les masses MX qui ont été mises, hein. Ils ont été incorporés. Alors, il y a déjà des problèmes. Il y a déjà des problèmes déjà. C'est que les pinces pour les balles d'enrubannage, eh bien, ne fonctionnent pas. Alors, ne fonctionnent pas. Faut voir, hein, faut voir. Est-ce que, attendez, est-ce que c'est, est-ce que on ne peut pas prendre les grosses. Voilà, il y a un problème. Il y a un problème. Est-ce qu'on ne peut pas prendre les grosses bottes? Ça, apparemment, peut-être que c'est ça le problème. Parce que les bottes, eh bien, je vais vous montrer, hein, les bottes que j'ai été chercher, eh bien, je ne peux pas les prendre. Donc, je vais vous montrer. On va passer devant. Allez, hop. Les bottes là, on ne peut pas les prendre. Voilà, les bottes là, on ne peut pas les prendre avec la pince. Même par terre, hein, même par terre, on ne peut pas les prendre. Alors peut-être que c'est pas des bottes qui sont adaptées, je ne sais pas. Il faudra que je fasse un test. On verra bien un petit peu. Il faudra que je fasse un test. Je vais réactiver ça. Hop, je vais réactiver les deux. Et puis nous, on va aller faire l'épandage de fumier. Il faudra ranger les bottes là aussi. Voilà, hein. Ça c'est voilà un petit peu une petite crotte. Alors ça c'est dans le DLC hein, qui est sorti. Donc ça, eh bien, vous pouvez vous en servir comme fumier ou comme paille. Voilà pour les animaux. Voilà, c'est à vous de voir, c'est vous qui décidez. Une chose qui est sûre, c'est que il faut placer ces bâtiments-là à côté d'une source de lisier. Voilà. À côté d'une source de lisier. Et bien, et comme ça, vous mettez ça en marche. Et ça vous fait une source de lisier, soit du lisier, soit du fumier. Allez, nous on est là. Et on va aller tout simplement faire ça tranquille. Là, on a déjà du matériel, hein, du matériel unique qui est là. Ah, ça fait plaisir, hein, de revenir un petit peu sur du farming comme ça. Parce qu'il y a pas mal de choses, hein, pour la Coupe du Monde, là, il y a beaucoup de choses qui va arriver. Hop.
tranquillou, tranquillou, tranquillou. On va se mettre un petit peu de zik. Ça, c'est la Chromebook avec toutes vos applis préférées pour travailler et ne pas travailler. Choisissez Chrome. Où est-ce qu'on en était? Ah ouais, on est là-bas. J'ai eu le cosy du chambre, c'est pas là, il faut aller. On en était resté ici. Hop. Donc moi, je ne me sers pas pour l'instant du DLC. Hein. Il va y avoir une mise à jour parce qu'il y a des problèmes tout simplement de tuyaux. Les tuyaux se barrent. Il y a des tuyaux qui se barrent tout simplement. Et ça, c'est chiant. Hein. Franchement, c'est vraiment chiant. Les tuyaux qui se barrent. Donc c'est pour ça que moi, eh bien, je prends toujours... Pour l'instant, je prends les tonnes à fumier. Parce qu'on a les tuyaux. Alors, comme dit Papy Tractor Gaming, il faut mettre les tuyaux à côté du chantier. Parce que lui-même, il le dit, si vous mettez les tuyaux loin, eh bien, les tuyaux vont se détacher. Mais même à côté du chantier, eh bien, ça se détache. Donc, je sais pas. Donc, il y aura sûrement une mise à jour. Il y aura aussi une mise à jour hein, sur le camion hein, Transformers qui est sorti il y a quelques jours aussi. Où là, à pleine puissance, le camion n'avance pas, ne peut pas tirer. Donc, il y aura des mises à jour. Après, c'est vrai que quand on regarde un petit peu, hein, pendant quasiment 2 semaines, là, on a quasiment rien eu sur... En comme mode, hein, voilà, faut bien le dire, on a quasiment rien eu comme mode. Alors je sais pas ce qu'ils ont foutu, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est vrai que ça a été vraiment une galère. Alors même lui, elle le dit, Bruno, j'ai parlé avec lui ce matin, mais c'est vrai que c'est quand même incroyable hein, de foutre des machins comme ça. C'est quand même incroyable. Mais bon, voilà. Ouais, aujourd'hui, on a quelques bons modes qui sont sortis, dont une superbe moissonneuse hein, de 900 chevaux. Donc c'est la marque Lisa, hein, on ne peut pas changer de marque. Mais en fait, c'est une Lexion, hein, c'est une Lexion. Mais c'est pas une Lexion 8900, c'est une 9000. Donc c'est encore plus gros. Et là, on peut vraiment la personnaliser comme on veut. Hein. On peut mettre les couleurs, on peut la changer en noir et blanc, tous les machins. La mettre tout en noir. Alors c'est ce que j'avais dit aussi à un moment donné, j'avais envoyé un message. Quand on va pouvoir changer les moissonneuses et les mettre en noir, et bien là on peut mettre celle-ci, hein, vu que c'est quand même une élection. Bah c'est marqué bizarre, mais c'est exactement l'élection, sauf que c'est marqué bizarre dessus. Je vais vous la montrer après quand j'aurai fini l'épandage. Là. Je vais vous la montrer. Donc là-dedans, on a deux champs. On va mettre un champ d'herbe et on va mettre un champ de fébrole. Donc c'est un genre de blé. Hein. C'est un genre de blé. Tourner comme ça. On va pas s'arrêter. Hop. C'est plus simple. Allez, hop. Donc là, il reste encore... la partie là, hein. La partie là à faire. Hop, tranquille. Mais les masses émiques, elles sont belles, hein, franchement. Alors,
Moi, je les touche pas. Hein. Moi, je ne touche pas les masses. Je les laisse telles quelles parce que c'est les plus belles. Après, vous pouvez les mettre dans n'importe quelle couleur. Hein. Mais là, comme ça, elles sont vraiment, vraiment très, très belles. Regardez avec la petite tronçonneuse à côté. C'est vraiment tip top. C'est vraiment stylé. Hein. C'est vraiment très, très beau. Puis là, on voit bien hein, de chaque côté, au milieu. Donc, ça, c'est pour les. C'est pour des repères en fait, hein. C'est des repères. Hein, quand... C'est des repères. C'est vraiment stylé. C'est des repères tranquillement. On va aller ramener ça. Donc là on est le 3 septembre. Là il va se voir prêt à faire feu déjà. Hop, donc elle est ici, donc c'est une classe, hein. C'est une classe qui est beaucoup plus grosse. Alors naturellement c'est pas marqué classe, c'est marqué Misa, mais bon c'est pas grave. Voilà un petit peu, c'est une 9000 Colossus, 9000 Colossus, et dedans c'est pareil, hein. Dedans c'est exactement la même chose que classe, voilà, c'est exactement la même chose. En fait, c'est une classe, mais bon, ça a été remis en lizard. Puis tu peux la configurer comme tu veux. Hein. Là, je l'ai mis en noir et vert comme ça. Mais tu peux la mettre tout en noir. Hein. Tu peux aussi mettre tout ça tout en noir. On va aller dedans, tiens, on va aller voir un petit peu. Je vais vous montrer un petit peu. Alors, voilà un petit peu la bête. Donc, il y a deux configurations. Il y a une comme ça. De 72 000 litres, alors ça sert à rien, hein. Ça sert à rien de mettre ça comme ça, 72 000 litres, mais après tu redescends à normal à hein, 15 000 litres, donc là, il y a ça, avec les configurations comme ça, là t'as le carreau, et là tu peux mettre toutes les couleurs, rose, on va la mettre tout en noir pour voir un peu ce que ça donne. On va vraiment la mettre tout en noir. Oh là là, regardez un peu la beauté que c'est. Il faut mettre les chenilles, hein. Faut mettre les chenilles naturellement. Elle est belle, hein. Une classe toute noire. Elle est belle, hein, franchement, elle est très, 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 très belle. Elle est belle comme ça, tout en noir, comme ça. Ça flash, hein. Là, c'est du beau bébé, hein. Après, vous pouvez mettre n'importe quelle couleur, hein. Il y a du, voilà, vous pouvez mettre un rouge massé, voilà, rouge et noir, comme ça flash, hein. Ouais, c'est pas mal comme ça.
Ah, il est belle couleur, hein. Comme ça, c'est pas mal, hein. Et puis la trémie, la buse, elle est grande, hein. Je vais vous montrer. La trémie, elle est grande, 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 grande. Hein. Regardez un peu la trémie. La trémie, la buse. Voilà un peu la buse. La buse, elle est grande. Hein. Parce que bon, la barre de coupe, elle est gigantesque. Donc il faut vraiment une grande barre de coupe. Hop. Bon, elle se replie pas, hein. Elle reste derrière, mais bon, c'est pas grave. Voilà un petit peu le bébé. C'est du beau bébé, hein. Puis on voit que c'est un sacré machin. Hein. On voit que c'est un sacré machin. Allez hop, nous voilà, on va continuer à bosser. Hein. On n'est pas là pour s'amuser. On n'est pas là pour s'amuser. On est là pour travailler. Ça fait du boulot, hein. Mais après, je sais pas vraiment hein, ce qu'il y a eu, hein, pourquoi il n'y a pas eu de plus de mode hein, depuis 2 semaines. Aucune idée. Aucune idée, aucune idée, aucune idée. Mais bon, c'est pas trop grave. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Il fallait que ça arrive. Eh, c'est bien parce qu'on va pouvoir prendre le MX. Le gros MX. Alors, c'est le plus gros. Hein. Alors, pour ceux qui ne savent pas, ça, le chargeur MX, c'est un chargeur classe. Hein. C'est exactement les mêmes. Hein. Sauf que c'est marqué MX dessus, les autres c'est marqué classe. Voilà, tout simplement. Mais c'est un chargeur classe. Voilà, tout simplement. Ah tiens, c'est quoi? On va ranger ça.
Hop, on va ranger ça tranquillement. On fait un petit peu de tout. Alors ceux-là, on va les mettre là. Ça tient. Voyez le mollo, quoi. Il faut y aller mollo, hein. C'est toujours le même problème, c'est tout le temps le même problème. Avec les bots, ils arriveront jamais, alors je sais pas si c'est des cons ou je sais pas quoi, mais c'est pénible de voir ça. Et même sur PC, hein, c'est le bordel. Hein. Même sur PC, on a de la merde, parce qu'on peut pas faire ce qu'on veut. C'est quand même incroyable. Depuis, je sais pas moi, depuis que Farming est sorti, je sais pas, mais ils ont jamais résolu le problème des bots. Jamais. T'as toujours quelque chose avec les bots. Tout le temps. Tout le temps, t'as des problèmes avec les bots. Tout le temps. C'est quand même incroyable de voir ça, quand même. Et même sur PC, hein, on a des problèmes avec les bots. Les bots, ils bougent tout seuls. C'est un truc de fou. Pourtant, le jeu, il y a plus de 10 ans, ils n'ont jamais réussi à résoudre ce problème-là. Jamais. Alors, c'est pareil aussi, hein, c'est exactement pareil pour les emplacements. Hein. C'est pareil. Voilà, on a les consoles, maintenant les consoles, surtout les Series X, hein, les consoles les plus puissantes du monde. Non, mais ils sont pas capables d'augmenter la capacité de bots. Alors j'espère qu'ils le feront de ces quatre, parce qu'ils peuvent augmenter la capacité des palettes. Ça, ils peuvent, mais les bots, ils peuvent pas. C'est quand même incroyable, quand même. Hein, incroyable. Voilà. Moi, après, c'est sûr que quand tu veux des bots, quand dans une ferme, il y a énormément de bots, hein, énormément de bots de paille, hein, surtout hein, pour les vaches, pour le paillage, tous les machins. Mais ça pose problème, c'est problématique. Ce truc là, c'est incroyable. Alors, il y en a hein, qui avec qui j'ai discuté en disant ouais, faut pas mettre beaucoup de bottes dans les fermes, tous les machins. Bah tu vas dans n'importe quelle ferme au monde, ils ont tous des bottes. Hein. Alors, ils ont tous des bottes, hein, les trucs. Dans
dans n'importe quelle ferme au monde, il y a des boîtes. Hein. Mais bon. Allez hop. Ah, je vous disais, hein, c'est la pince qui fonctionne pas, et je vais vous montrer. La pince, elle est là, et je vais vous montrer. Je vais vous montrer, la pince ne fonctionne pas. Je vais vous montrer la pince. Là ne marche pas. Alors, allez savoir pourquoi. Alors, on va prendre une botte ici. C'est là que ça fonctionne. C'est là que ça fonctionne. Alors, hop, regardez. Oh, maintenant ça marche. Je vais passer pour un con. Hein. Je vais passer pour un con. Alors là, ça marche. Hein. Et tout à l'heure, sur le plateau, ça marchait pas. J'ai essayé d'en prendre une sur le plateau. Je vais passer pour un con. Hein. Je vais vraiment passer pour un con. Je vais vraiment passer pour un abruti. Ah bah maintenant ça fonctionne. Ah, je comprends plus rien. Bon les gars, bon bah ça fonctionne. D'ailleurs ça fonctionnait pas. Maintenant ça fonctionne. Alors, il y a peut-être eu un bug. Hein. Il y a peut-être eu un bug. Bon bah c'est bon alors. C'est bon les gars. Hop là. Regardez, ça c'est pareil. Regardez un peu. C'est ce que je disais. C'est tout le temps la même chose. Tout le temps la même chose avec ces trucs. C'est toujours la même chose ou ces machins qui se mettent, qui tiennent pas quoi en fait. C'est dingue quand même, hein. Ces trucs là, c'est... C'est quand même incroyable. Bon, les pinces fonctionnent. Il a fallu, tu vois, que je vienne sur la vidéo pour que ça fonctionne. Mais je vous dis, tout à l'heure, ça ne fonctionnait pas. Et là, ça fonctionne. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Je reprends l'autre qui est là-bas. Parce que je l'ai pris, ça ne fonctionnait pas. Voilà. Et là, je l'ai prise. Elle ne fonctionnait pas, j'arrivais pas à la choper. Et maintenant, est-ce que je peux l'attraper? Et ouais, maintenant, je peux l'attraper. C'est dingue quand même, hein. C'est incroyable. Mais bon, tant mieux, ça fonctionne. Je vais quand même aller... retourner mon scorpion, parce qu'il est toujours par terre, lui, d'abord. Le coco, il est toujours par terre. Hop là, super. Donc voilà les
potos, bah, on va en rester là. J'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. N'oubliez pas, abonnez-vous, pouce, la cloche. Et puis nous, eh bien, on se retrouvera pour d'autres vidéos. Il y a beaucoup de travail. Hein. Il y a énormément de travail à faire. Je vais ranger celle-là quand même. Allez, on va ranger la botte là, et puis on va en finir, et puis nous on se retrouve pour d'autres vidéos. Hein. Donc là c'est du farming. Il y a pas mal de personnes qui m'ont dit « Ouais, c'est quand tu fais la Formule 1 ?» Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive la Formule 1, ne vous inquiétez pas. La Formule 1 arrive, les potos. La Formule 1 arrive, les gars. Allez, sur ce, je vous laisse là, sur ce super bon genre ensemble, entre Classe et MX. Sur ce, ciao, à la prochaine.